DG Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tangwe Koki. Je suis Stéphane Balamwangé, notable du Kasaï central. Je suis de Dibaya, secteur du Bataille. Je suis Mujila Kasanga, Kamouenansap. Messieurs, dames, je me suis toujours battu pour cette grande province, pour la province du Kasaï central, pour Ezanga Kanyonso. Au moment où je vous parle, messieurs le président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondu à ma demande. Je tiens à saluer le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le président, bravo. Vous êtes la bénédiction personnifiée de cette grande nation congolaise. Tangwe Koki, nous sommes tombés sur l'information. Bonne nouvelle pour le Kasaï central. Bonne nouvelle pour le Kasaï central. Oui, bonne nouvelle pour le Kasaï central. Le Kasaï central manque tout. Le Kasaï central est au cœur de la République démocratique du Congo. Une province enclavée. Le Kasaï central est entre la province du Kasaï oriental, la province du Kasaï, la province de Lualaba aussi, la province de Lomami, la province de Sankour. Kasaï central. Kasaï central, côté Louisa, aza limité na Lualaba, Penangola. Omati côté Moussousou, na province ya Kasaï. Côté Moussousou, Kasaï oriental, bakangamina Kasaï. Territoire ya Dibaya, territoire ya Dimbeleng, bakangami bongo. Sankuru pe akangami na Kasaï central. Oui. Lualaba pe akangami na Kasaï central. Na otiko ebisa bino. Et Kasaï central, c'est une province enclavée. Au Kasaï central, il n'y a pas de courant. Ba pelisaka groupe moko munene. Le Kasaï central n'a pas de route urbaine. Voirie urbaine boise nyonso délabré. Et le Kasaï central eau potable ya balongé za kate bilanga na Kasaï central nzala wana sengaka neti ba mois otozo kende o za ba mois ya nzala na Kasaï central. Il faut train ezwa e kende na province ya Kasaï côté ilebo za territoire ya province ya Kasaï pour azwa masango alia. Mais au moment où je vous parle, le président Tshisekedi Aotiko sepe sa motema mwangai. Oui. Messieurs, dames, un grand projet ou deux grands projets na niveau ya Kasaï central. Récemment, vous m'avez vu na Kasaï central. Je suis allé Tina Chitembombo. Nous sommes sur la rivière Lulua. Bonne nouvelle, Ezanini. Il y a un compatriote. Il y a un homme béni. Un homme vrai, un politicien homme d'État. Il s'appelle Aimé Pascal Mongo. Aimé Pascal Mongo, yewana bali kolakisa bino na bilili. Aimé Pascal Mongo. Aimé Pascal Mongo a une grande société arc-en-ciel. Et cette société a financé Anser. Anser a déjà recruté une société qui va travailler sur cette rivière que vous voyez, la rivière Lulua. La société en question va travailler dans la rivière Wana pour donner du courant à la Kasaï centrale. Chers compatriotes, le président Tshisekedi est le seul depuis 1960
Oyo azo ya kokotisa courant na Kasai Central courant oyo ezo uta na mayi et non courant oyo bazo tcha carburant ba tcha na moteur non. Félix Antoine Tshisekedi est le premier sauveur du Kasai Central. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Kassavubu a fait autant. Moussa Laurent Désiré Kabila a fait autant. Et Joseph Kabila a fait 18 ans. Tshisekedi, croyant que avait abandonné le centre kassaïen, mais aujourd'hui il a répondu. N'a pas si bien information au bâtonnant Moussa Bazuité. Je réponds. Le monsieur s'appelle Aimé Pascal Mongou. Aimé Pascal Mongou est député national. Il est de Maïndombe. Je vous dis. Il est de Maïndombe. Aimé Pascal Mongou. Aimé Pascal Mongou décidait avec son entreprise et ses partenaires. Yakope Samisolo na Anser. Et Anser a déjà recruté l'entreprise Oyo Ezo Salasikoyo barrage ya chute mbombo. Ezo tonga barrage Oyo ya chute mbombo et kope sa 12 MW dans 2 ans. Misolo na koloba montante. Au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui mercredi. D'ici lundi ou mardi, on sert à cause de virement à Misolo. Tout le document Natali na moni, ok. On sert à Zozo Misolo, à Zopesa, l'entreprise qui va exécuter les travaux. Dans 2 ans, le Kasai Central sera électrifié. 12 MW, plus de 20 000 ménages. Bakozwa courant. Félix Tshisekedi, merci beaucoup. Je suis le notable du Kasai Central et je suis très heureux de dire merci à notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Merci pour nos sérieux. Il y a Anser. Merci pour nos sérieux. Il y a Aimé Pascal Mongou. Il est, je dis bien, député national Maïndombe. A quien a kananga kopé sa courant député national Yama Indombe. Comme il est entrepreneur, alobi, la meilleure façon ya ko soutenir président Tshisekedi, ko soutenir vision ya Mokonzamboka, eza ya ko luka ba partenaire, loko la président Tshisekedi, azo kende na Chine, à gauche, à droite, pour chercher des partenaires, lui aussi, c'est un partenaire. Yaba Congolais. Oui. Un vrai patriote, Akeko Ibate, Apesi Misolo, avec son entreprise Arc-en-Ciel, Nanani, na Anser, Anser, Azo, Sala Eloko Tobengi, courant na Kasai Central. Anser, très sérieux maintenant, Aimé Pascal Mongou, le sauveur du Kasai Central, ou le messie du Kasai Central, Aimé Pascal Mongou, le messie du Kasai Central, l'homme qui est dans la vision du chef de l'État. Messieurs, dames, Aimé Pascal avait déjà battu campagne pour le président Tshisekedi, pour le deuxième mandat avec son parti politique. Vous vous imaginez? Après avoir mené campagne pour Tshisekedi, Lelo, il soutient encore le président Tshisekedi avec sa société et ses partenaires, va financer. Donc, il est le promoteur financier. Yambongo, Oyo, Bazo Tonganango, Chutembombo. Et désormais, on va donner au centre kassaïen les courants. Dans 2 ans, Bazana courant. Merci Félix Tshisekedi, puisqu'il a autorisé. Le président a donné le quitus. Et le président a donné au centre kassaïen du courant. Ce n'est pas tout. Aimé Pascal Mongou. Ba chef coutumier. Ba lobi, au pessibiso courant. Au sungi mokonzambo ka pessibiso courant. C'est bien. Aimé Pascal Mongou. Ba pessie lissousou. Espace mounene. Azo sala.
parc agroalimentaire. C'est-à-dire azo sala bilanga bakolo na masango na kananga na Kasai Central. Ouais. Bakolo na masango. Et masango bakolo na wana, il y aura des moulins sur place à Kananga. Oyo ekonika masango wana bakochango na basak kaka na Kananga. Maïs made in Kasai Central. Dirsi. Aimé Pascal Mongo. Messieurs, dames, dans ce pays, il y a des hommes. Dans ce pays, il y a des Congolais qui aiment leurs compatriotes. Je me suis demandé pourquoi il fait ça. Oui, au moment où je vous parle, dans le niveau, il y a. Maïndombe Lissousou. Kaka aimé Pascal Mongo. Bazo Kita, na ministre d'État et agriculture. Boyi pour ça la nini. Bazo kende ko ça la kaka ba parc agroalimentaire oy. Ya minene pour na coller ça ba na Congo. Donc toujours dans la vision du chef de l'État, revanche du sol sur le sous-sol. Aimé Pascal Mongo. Messieurs dames, ces compatriotes, ces dignes fils de la RDC. Aujourd'hui na Kasai Central va commissaire Mouluba Yami Balé. Ma chef coutumier m'a baptisé. Ma lobby, toi, tu es le deuxième Kassaï. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Kassaïen, Moulouba, Moukongo, non. Moi, je parle de patriotes vrais. Je parle des hommes qui viennent changer des choses. Lui, c'est un homme d'État. Il n'a pas le niveau de politicien. Il est homme d'État. Un homme d'État vient avec des idées pour changer. Un homme d'État ne vise pas contre Naïe. Un homme d'État vise le bien-être des autres. Aimé Pascal Mongo, accueilli à Kananga comme un roi. Il faut à la population d'Inga Zo Sepelanaye. Il faut à la Ndenge Bazo Sepelanaye. Aux hommes la population, on dirait Bato Bazo Kangama. Oui, aimé Pascal Mongo. Aimé Pascal Mongo est dans la vision totale du chef de l'État. Et aujourd'hui, les centres kassaïens. Bazane Sengo Yako Sakanate. Messieurs, dames, je vous ai amené un sauveur et un centre Kasai. Yewana. Aimé Pascal Mongo. Retenez ceci. Molili na Kasai Central Abu Pia. Dans 2 ans, Bayo. La société Arc-en-Ciel. Y a patron. Aimé Pascal Mongo. A financé l'argent. Cette société a débloqué Misolo Ebele pour na couper sa nani en serre. En serre a déjà Moutou Oyo Akoya pour exécuter projet. Une société qui va venir exécuter le projet. Yakotonga barrage, Yachute Mbombo, 12 MW pour plus de 20 000 ménages. Et en dehors de ça, parc agroalimentaire na Kasai Central, na Kananga. Oui. Masangwe kozala, cultivé sur place, produit sur place, bako niki sayango sur place, et masangwana bako tchangwana basak, ba tekele ba centre kassaïen, pe masangwe kena ba province moussous. Aimé Pascal Mongo. Déjà adopté, accepté, ba pesye ma belé et pa ba chef coutumier, ya Kasai Central, ba le bison ma belé angoy, ba pesye ma belé. Ba jeune ya Kasai Central désormais bako zwa misala, na parc agro. Industriel wana. Oui, bako zwa misala na parc agro industriel. Bilanga e kozala wana e penzala na Kasai Central Abu Pia. Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo. Sous sa bénédiction. Donc le président Tshisekedi a yoki ko lela ya ba centre kassaïen. A bénir aimé Pascal Mongo à lobi sala. Oui, il le fait sous le patronage du chef de l'État. Oyonyon sako tia kal. Aye bake Stéphane Balamwangi. Sera sur son chemin. Le notable du Kasai Central, le plus crédible, c'est moi. L'homme qui se bat, l'homme qui donne la bonne information. Bovanda Kimia. Misolo pour Nanser, c'est déjà la semaine prochaine. Et belé à Misolo. Et Bakosala. Misalawan. Et l'État aura même 2 ans. Et puis, Abanda Kouyaku rembourser Misolo. Oui, parce qu'ils ont investissement à Sali. Ça s'appelle public-privé. Voilà. Chers compatriotes, gloire à Dieu pour le Kasai Central. Mais maintenant, nous avons résumé
ya makambonyoso aimé Pascal Mongo a salé na Kasai Central na descente na ye na période ya campagne comment il s'est battu pour le président Tshisekedi et comment il a démontré na kolaki sa Kasai Central ko la zone centre c'est que c'est le cœur pour partager le sang afin que le corps est à la normale. Suivez Pascal Mongo. Du 2 au 6 juin 2023, après les villes de Kinshasa, Kisangani et Inongo, le président du Congrès national africain pour le réveil du Congo, Maître Aimé Pascal Mongo Lokonda, a séjourné à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Une province, dit-il, être pour la RDC, c'est qu'elle est cœur pour le corps humain. Arrivé le 2 juin à la tête d'une forte délégation des cadres du CENARC, Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui foulait pour la première fois le sol de l'ancien Luluarbourg dans le cadre de son safari national politico-économique, a été accueilli en grande pompe avec à la clé un carnaval dont le point de chute a été à la place de l'hôtel de ville de Kananga. La venue à Kananga de ces princes de la Grande Orientale et natifs d'Inongo, Aimé Pascal Mongo Lokonda, n'a pas laissé indifférent le président fédéral du CENARC Kasaï Central, qui a brossé à cette occasion l'état de lieu du parti et dans son ressort. Le coordonnateur provincial de l'Union Sacrée Kasaï Central, qui a reconnu l'assise non négligeable du Congrès national africain pour le réveil du Congo dans sa province, n'a pas manqué des mots justes. De tous les partis politiques de l'Union sacrée Kasaï Central et au mien propre, j'ai saisi de cette opportunité pour souhaiter la bienvenue au président national de cette grande formation politique installée sérieusement ici dans la province du Kasaï Central. Honorable président, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Comme toujours, l'arc-en-ciel du Congo, Aimé Pascal Mongo Lokonda, est resté égal à lui-même. Droit dans ses bottes, cet acteur politique à la carrure herculéenne a axé son message au peuple du Grand Kasaï en 4 points, à savoir l'identité du Grand Kasaï, le parti CENARC, le développement socio-économique, ainsi que les élections de 2023, dont le point d'orgue est la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Kasaï, oye! Kananga, oye! Je voudrais vous rassurer, moi, Aimé Pascal Mongo, aujourd'hui, que les Kasaïens sont un peuple formidable. J'ai toujours considéré les Kasaïens comme le peuple juif. Un peuple qui n'a jamais été complexé. C'est pourquoi Dieu, dans sa divine sagesse, nous a placés au centre de la RDC. Le cancer de notre pays est comme le cœur d'un corps humain. Lorsque le cœur ne pompe plus le sang, l'être humain meurt. Et lorsque le cancer n'est pas en bonne santé, la RDC ne pourra jamais voir son décollage. Vous êtes la troisième province que je visite. J'ai visité la province de Maïdombe. J'ai été à la province de Tchopo. Et vous êtes la troisième province. Maïdombe pourquoi? Parce que c'est là que je suis né. Et Tchopo pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée de tout acteur politique qui veut être grand dans ce pays. Et le Kasaï Central pourquoi? Parce que c'est le cœur qui pompe le sang à travers les corps humains. Et donc, j'ai aussi l'obligation de soigner ses cœurs. Évoquant les élections de 2023, Aimé Pascal Mongo Lokonda a prêché le candidat du peuple à réélire à la magistrature suprême Félix Antoine Tshisekedi. En 2018, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé qu'un fils kassaïen soit à la tête de ce pays. Félix Antoine Tshisekedi, dès la prise de pouvoir, il a confié ce pays entre les mains de l'Éternel. Et puis il a dit, Éternel, sois le roi du Congo. C'est pourquoi je vous invite à réserver un deuxième mandat au président Félix. Et le Congolais va retrouver sa dignité. Et l'image de la RDC sera redorée. Tu veux dire réellement
le Kasaï central promet à Fatih Béton 100% un deuxième mandat. Bon, de la Boko. En matière de développement, le président du Sénarc a annoncé devant la presse locale l'arrivée de ses partenaires investisseurs dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie. J'ai parlé du domaine agricole, j'ai aussi parlé du domaine de l'énergie électrique. Sans énergie électrique, rien ne peut se faire. Deux de mes partenaires qui se bousculent aujourd'hui, il y a les partenaires des Émirats Arabes Unis, et des partenaires sud-africains qui s'agissent d'ailleurs d'accompagner à l'aéroport avant-hier, ils sont rentrés en Afrique du Sud, par rapport à ces projets, ces projets hydroélectriques. J'ai parlé avec notre ami Alexis hier, qui me dit que l'entreprise qui va construire a déjà été désignée, et c'est nous qui allons financer ça. Je vous dis que mes partenaires sont prêts à le faire. Il y a juste qu'ils du moins les partenaires des Émirats Arabes Unis ont déjà reçu les études de faisabilité. Il y a aussi les Sud-Africains qui se bousculent pour prendre ces projets. Donc, pour le moment, je m'arrête à ces deux secteurs, énergie et puis le projet agricole. Mais l'eau, c'est la vie. J'ai mes partenaires sud-africains. Ils vont faire une expérience merveilleuse au Mayendombe. Mais je pense que je peux. C'est sur le financement propre par rapport à l'eau potable. Mais je pense que je vais d'abord orienter ces projets ici. Au cours de son périple de Kananga, le président du Sénarc, Aimé Pascal Mongolo Kona, n'a pas eu de répit. Après des échanges avec la délégation des chefs coutumiers, ce prince de la Grande Orientale a reçu en cadeau des étendues des terres pour y développer ses activités d'intérêt commun. Notre enveloppe que nous vous donnons, c'est la terre. Ah oui, la boulevard. Vous devez intervenir et plaider pour la terre. Tous les chefs coutumiers du Kasaï central sont derrière vous. Aimé Pascal Mongo a, en retour, remercié ses autorités traditionnelles avec un don de moto pour faciliter leur déplacement. Je voudrais que chaque chef coutumier vous a un candidat en moto. Dans la foulée, ce natif d'Inongo a effectué le déplacement auprès des grands chefs Kalamba et Kamunantsapu pour évoquer les grands projets en ligne de mire pour le Grand Kasaï et obtenir l'adhésion des autorités coutumières. D'abord, ils ont expliqué dans quelle situation la province du Kasaï central se trouve. Ils ont émis le souhait de voir le président national s'investir pour le développement de cette contrée. Et aussi, ils ont décidé d'adopter les camarades Aimé Pascal Mongo comme natif de la province de Kasaï, leur propre fils. Et maintenant, le président aussi a promis de faire tout ce qu'il peut pour le développement de cette province. En ce qui est de l'électrification de Kananga, Aimé Pascal Mongolo Kona entend faire ériger un barrage hydroélectrique dans les chutes de la rivière Lulua. Accompagné d'une forte délégation, le président du Sénarc a visité la chute Mombo où devront s'effectuer les travaux. L'essence de la visite du président national du Sénarc, M. Aimé Pascal Mongo, il est non seulement acteur politique important de ce pays, mais c'est aussi un grand acteur économique. Dans ses activités, dans ses actions à pouvoir booster l'économie et le développement de notre pays, Aimé Pascal Mongo a été intéressé par la province du Kasaï central avec tout ce qu'il y a comme potentialité et il veut mettre aussi à profit son grand carnet d'adresses qu'il a, ses partenaires financiers qu'il a pour donner un coup de pouce à la réalisation de ce projet qui n'attendait qu'un financement pour sa réalisation et sa mise à jour. Un homme de cœur, Aimé Pascal Mongolo Konda n'a pas manqué l'occasion de procéder à des visites dans des centres de santé et écoles de la place. Ce périple réussi à Kananga qui a pris fin le 6 juin aura été d'une richesse incommensurable. Au plan politique par exemple,
le coordonnateur provincial de l'Union Sacrée a été pourvu en moyens financiers conséquents pour se doter d'un siège social digne de ce nom. Une organisation bien structurée ne peut pas fonctionner sans siège. Je vais demander, il y a un compte equity, un compte en dollars equity, sous la supervision du président Jodel, je vais transférer tout à l'heure, là, si il a des comptes, 3 000 dollars pour vous permettre de chercher. Si vous l'aviez même maintenant, je pourrais seulement avec mon téléphone de vous virer l'argent directement. Moulamba, Philippe. Kambamba Philippe. Oui, oui. Okay. Tu as reçu l'argent. Non, il a déjà reçu. D'accord. Donc moi j'ai réalisé ma promesse. Applaudissez pour le président. Au plan socio-économique, la population n'a pas manqué de saluer la venue de ses dignes fils de la RDC, Aimé Pascal Mungo, dont les réalisations dans l'intérêt des Congolais n'ont aucune frontière pour lui. Tango koki yo yo yo.